La chronique Info-Travaux vous est présentée par la Ville de Saguenay qui vous rappelle qu'elle travaille pour vous à l'amélioration des infrastructures municipales. Voici Jeannot Allard du Service des communications. Plusieurs travaux d'aqueduc et de réfection de rue cette semaine dans l'arrondissement de Jonquière, notamment sur la route des Bouleaux à Chipcha, les rues Fortier, Saint-Louis, Lonnière, Pasteur, Duvernay, de la Montagne, des Pins et du Lonceau. Travaux de pavage également sur la rue Saint-Dominique, le boulevard René-Lévesque avec fermeture de deux voies, sur la route Jean, dans le secteur de Chipcha. Dans l'arrondissement de Chicoutimi, l'installation d'un nouveau service d'aqueduc et d'égout occasionnera une entrave majeure à la circulation sur le boulevard Talbot. Poursuite des travaux d'aqueduc sur les boulevards du Royaume-Ouest, Sainte-Geneviève, la route de Tadoussac, Laurent-Saint-Paul, les rues de Paris, du Séminaire, Monseigneur-Martel et sur la rue Notre-Dame à La Terrière. Des réfections de pavage sont prévues sur le boulevard Saguenay-Est à l'intersection de la rue Racine, ainsi que sur le boulevard Barrette, sur les rues du Cap-Saint-François, Gabriel, Saint-Augustin et dans les chemins Saint-Paul, Sainte-Famille, de l'Église et le portage des Roches-Nord. Enfin, à l'Abbé, travaux d'aqueduc sur les rues J.C.-Lévesque, Saint-Pierre et Aimé-Gravel et réfection de pavage sur les rues des Pinsons, Maria-Gravel et des Rosiers. Nous profitons de l'occasion pour rappeler à la population que tous les travaux d'aqueduc peuvent provoquer des épisodes d'eau jaune ou brouillée et occasionnent pour certains des entraves à la circulation. Pour plus de détails sur les travaux en cours, consultez la section Info-Travaux sur le site Internet de la Ville à ville.saguenay.ca.